Et bien salut les amis, c'est Clopy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 27 de ma série Road to Cristiano Ronaldo sur FIFA 15 Ultimate Team les gars. Et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit déjà de l'épisode final les gars. Donc voilà, c'est tout simplement un truc de dingue. Voilà, j'ai enfin réussi à m'acheter Cristiano Ronaldo. En partant de 500 crédits, on a réussi à monter jusqu'à quelques millions. C'est vraiment un truc de dingue. Donc là, juste avant, vous voyez que j'ai fait de l'achat-revente avec des légendes et c'est parti très rapidement. Même si le bénéfice n'est pas énorme par rapport au prix d'achat, par rapport à l'investissement. Mais moi, j'avais vraiment besoin d'avoir des crédits rapidement pour m'acheter Ronaldo. Parce que là, j'étais vraiment impatient de pouvoir me l'acheter parce que j'étais tout près du but. Et je voyais que son prix, il commençait à gratter, augmenter de plus en plus au fur et à mesure que j'avançais dans mes crédits. Et je me suis dit, maintenant, il faut vraiment que je le chope, même si je me fais vraiment des bénéfices. Faible par rapport à l'investissement, mais c'est pas grave, le but c'est d'enfin pouvoir s'acheter Cristiano Ronaldo. Donc voilà là les quelques dernières ventes de cette série, et là regardez les gars, on va rechercher Ronaldo sur le marché des transferts. On va mettre prix maximum, je sais plus combien j'ai mis, et regardez, il en reste un comme par magie. Et là j'ai bien fait le bonhomme, je fais oh, allez on a le temps, comme si j'étais pas pressé tu vois. Et finalement voilà, j'ai pu me payer Cristiano Ronaldo les gars, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou, franchement. On est parti de 500 crédits, donc la série, on l'a commencé quand à peu près? On l'a commencé quand FIFA est sorti. FIFA est sorti, je crois, fin septembre. Donc on l'a commencé, on va dire début octobre. Et là, on est le jour de Noël, là, le réveillon, le 24 décembre. Et voilà, on a Cristiano Ronaldo. Je vous cache pas, hein, ça fait quelques jours que je l'ai déjà. Mais l'épisode, je l'avais prévu de le sortir le 24 décembre pour le réveillon. Donc en tout cas, les gars, voilà, j'ai vraiment kiffé cette série. Ça m'a fait plaisir. J'ai réussi l'achat-revente. Et vous inquiétez pas. Ça va continuer sur l'année 2015. Je vais pas m'arrêter maintenant. Hein. Vous inquiétez pas, il y aura encore des vidéos d'achat-revente. Il y a une nouvelle série achat-revente qui va arriver. Je l'espère que ça va vous plaire également. Mais ça va pas être une série Road to quelqu'un. Ça va être une série achat-revente. Je vous en parlerai en détail, bien sûr, dans une future vidéo. Donc les gars, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes. Et vraiment toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo, qui ont lâché des j'aime sur les vidéos d'achat-revente, qui ont partagé les vidéos d'achat-revente. Vous êtes vraiment énormes. Et je voulais vraiment aider dans cette série, et j'espère qu'en tout cas j'ai réussi à vous aider, et je continuerai d'essayer de vous aider tout au long de l'année 2015. Donc les gars, vraiment passez de joyeuses fêtes, c'est vraiment le mot que j'avais envie de donner dans cette vidéo, mis à part que j'ai CR7 enfin. Il y aura peut-être une review qui va arriver parce qu'il faut que je transfère les crédits sur mon compte principal, vu que ce n'est pas mon compte principal, j'ai aucun joueur là-dessus, ça vous le savez. Donc ça, c'est à voir par la suite, je verrai très bien. Donc là vous voyez le prix d'achat, etc. Donc voilà, j'étais vraiment content d'enfin pouvoir me payer Cristiano Ronaldo. Donc maintenant le mot de la fin les gars, qu'est-ce que c'est? Donc passe un joyeux Noël, ceux qui fêtent Noël. On est le 24 décembre au moment où je vais poster la vidéo. Donc j'espère que vous passerez de bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde pour l'année 2015. La santé surtout, c'est le plus important. La santé les gars, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est pour la vie tout simplement. Moi je vous souhaite vraiment de passer de belles fêtes de fin d'année. C'est des moments de partage, donc soyez vraiment heureux de partager ces moments avec la famille, avec les amis. On se retrouve très vite. En tout cas, c'était Clopy, prenez soin de vous. Moi je vous dis encore un joyeux Noël et une bonne année 2015. Bye tout le monde.